J'ai dû rouler combien de temps là? Plus de 15 minutes? 20 minutes. 20 minutes? Oh, ça va. Oh, je vous cache pas les gars, la reprise elle est dure. Hein. Après les vacances là, il y a eu du laisser aller et on le ressent cash sur la moto. Hein. Bon, à la fin là, je me suis fait 2-3 frayeurs. Mais le terrain il est lourd. Hein. Oh, il a plu hier, du coup, c'est. Bah, de toute façon, vous avez vu à la GoPro à mon avis, mais. US. Je kiffe le terrain aujourd'hui. Je me fais tellement plaisir. L'objectif, ça peut être aussi un conseil hein, pour vous qui regardez la vidéo. Si vous n'avez pas fait de sport, si vous avez mangé comme des gros comme moi et que vous n'avez pas roulé en moto, quand vous reprenez là, du coup en septembre, là, comme les beaux jours, les terrains sont encore praticables, faites gaffe. Parce que moi, je prends l'exemple l'année dernière. D'ailleurs, j'ai une vidéo sur ma chaîne, elle s'affichera juste là. C'était à ce moment-là, c'était en septembre que je me suis blessé. Combien en 85? Ouais, je disais, c'était à cette période-là que je m'étais blessé en fait. J'avais fait les vacances, la pause moto et tout. En septembre, j'ai repris la moto comme en juin, quand j'avais le physique et tout. La moto, elle m'a envoyé catapulte, boum boum. Fracture de la main, ciao. 3 semaines, arrêt maison. Du coup, faites gaffe. Ça, c'est un petit conseil, pareil, MR Motocross. Faudrait que je fasse une série. Dites-moi dans les commentaires. Mais genre, à chaque début de vidéo, on fait le. Pas le conseil du jour, mais genre le conseil de la vidéo, le conseil des mères. À chaque début de vidéo maintenant, je donne un conseil. Du coup, premier conseil, on innove. Faites doucement quand vous faites une longue pause, genre le matin. On va boire un coup. Allez, viens la caméraman.